Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et j'ai hésité entre plusieurs possibles sur cette fin d'année, début d'année. Et finalement, je me suis décidée pour un tapping lent qui va nous parler, qui va nous parler de ces peurs que l'on traverse, de laisser notre ancienne peau derrière nous. Hier, j'ai travaillé avec, on va l'appeler Zora, et Zora a un passé difficile, une mère très dévalorisante, une sœur qui est rejetante, et puis au cours de sa vie, il va se passer des événements, elle va finalement être diagnostiquée par un psychiatre. Et ce diagnostic va finalement l'enfermer dans une posture de victime dont elle n'arrive plus à sortir. C'est un petit peu par hasard qu'elle est tombée sur mes vidéos et que nous avons donc commencé un travail ensemble. Et ce qui me frappait, c'était à quel point nous sommes capables de nous enfermer, de valider finalement ce que l'autre nous dit et d'en faire une réalité, d'en faire une vérité. Et Zora a été une femme qui a fait du triathlon. Et quelqu'un qui fait du triathlon, ça présuppose que c'est une personne qui a d'abord de la niaque, qui sait où elle veut aller, qui a des objectifs, qui a de l'énergie, qui a de la persistance, de la persévérance, qui a le sens, le côté sportif, de l'entraînement, de l'entraînement quotidien, de la joie aussi à travers cet entraînement, à travers ces difficultés, à travers le fait de dépasser les objectifs déjà atteints pour aller plus loin. Et je suis finalement allée chercher cette partie de sa vie pour la sortir de cette terrible enfermement qui dure depuis un certain nombre d'années. Et l'idée, c'est de la remettre en vie grâce à cette partie d'elle qui existe toujours bel et bien parce que toutes les cellules de son corps ont enregistré évidemment toute cette longue, longue période sportive et réussie. Alors, on est tous pareils, on a vraiment du mal à lâcher nos peurs, à lâcher notre ancien personnage. Et même quand il s'agit d'aller vers quelque chose qui est bon pour nous, on a un mal de chien à y aller. On est tellement accroché à nos habitudes, on est tellement accroché à nos souffrances. Alors, c'est pour vous, c'est pour nous tous. Et c'est parti. Inspirez, inspirez profondément. Je me détache de mon passé douloureux. Inspirez. Inspirez profondément. Je sors de l'habitude de mon malheur. Inspirez, inspirez profondément. Je me libère de ce qui me freine. Inspirez. Inspirez profondément. Je sors des compromis. Inspirez, inspirez profondément. Je renais et je suis légitime de cette renaissance. Inspirez, inspirez profondément. Je me rends visible de la vie des humains. Inspirez, inspirez profondément. Je m'autorise à rencontrer les bonnes personnes. Inspirez,
Inspirez profondément. Je sors de la peur. Inspirez. Inspirez profondément. À chaque pas, j'inspire la vie et je souffle mes peurs et mes soucis. Inspirez. Inspirez profondément. Je sors de ma peur du futur. Inspirez. Inspirez profondément. Je pose les bonnes actions. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, la vie m'apporte ses solutions. Elle est bien plus douée que nous, la vie. Inspirez. Inspirez profondément. Je ne cherche plus à réparer le passé. Inspirez. Inspirez profondément. Je n'en parle plus de ce passé. Inspirez. Inspirez profondément. Je cesse de me définir en fonction de mon passé. Inspirez. Inspirez profondément. Il n'y a rien à réparer. Inspirez. Inspirez profondément. Il n'y a rien à retrouver. Inspirez. Inspirez profondément. J'autorise la vie à s'occuper de moi. Inspirez. Inspirez profondément. Le présent est là. Inspirez. Inspirez profondément. La vie ne me laisse pas tomber. La vie est bel et bien là. Inspirez. Inspirez profondément. Je cesse d'avoir peur de souffrir. Inspirez. Inspirez profondément. Dès lors, j'autorise des circonstances auspicieuses, heureuses, chanceuses. Inspirez. Inspirez profondément. J'accepte les opportunités lumineuses. Inspirez. Inspirez profondément. J'autorise des solutions miraculeuses. Inspirez. Inspirez profondément. J'attire les dénouements providentiels. Inspirez.
Inspirez profondément. Je me laisse guider, heureusement, par la vie. Inspirez. Inspirez profondément. Je n'ai pas besoin d'être parfaite ou parfait pour ça. Inspirez. Inspirez profondément. Je crée cette nouvelle année. Inspirez. Inspirez profondément. Je bénis cette nouvelle année. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, la vie m'apporte son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Fermez les yeux un instant et puis imaginez que ce futur vous, mais un vous qui serait peut-être habillé en blanc, qui serait somptueux, qui serait plein de lumière, qui serait en réussite. Imaginez que ce futur vous est là devant vous et qu'il vous tend les mains pour vous faire passer ce cap. Un peu comme si, voilà, vous êtes puissamment aidé, tiré. C'est ça, comme ça. Imaginez que vous sentez ce mouvement d'aller vers l'avant. Imaginez que vous sentez ce mouvement d'être tiré vers l'avant par votre être de lumière, que vous êtes dans cet avenir très proche. C'est ça, comme ça. Et que vous vous retrouvez soudain, de l'autre côté, plein de ces paillettes de vie, de joie, d'opportunité, de lumière. Parce que, vous savez, la magie, c'est l'âme qui agit. Alors, je vous souhaite toute la magie de la plus heureuse sur vous, sur les vôtres, pour cette année qui arrive. À très vite, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Belle journée.